Bonjour Anne. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, je vais te poser d'autres petites questions. La première, c'est comment es-tu tombée dans le conte? Tomber, c'est bien le mot, mais à vrai dire, j'ai surtout reçu. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai reçu? Ben, j'ai reçu une consolation puisque je n'avais pas de parents et que le conte a suppléé l'absence des parents dès l'âge de 5 ans, pendant l'enfance, et puis pendant l'adolescence également, la lecture a suppléé le manque de présence parentale. Hein. Voilà. Et mis à part ce manque que tu as pu combler grâce au conte, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Eh bien, certainement le respect des autres. Par procuration, avec ce que je lisais dans la quantité de livres que j'ai pu lire, quelquefois 5 par jour, hein, tellement j'étais accro, addict à la lecture, que ça m'a fait du bien, ça a développé l'imaginaire, ça a développé la logique, ça a développé le respect des personnages, ça m'a fait comprendre les différents personnages de Tolstoï, de Dostoïevski, de Steinbeck pour les littératures étrangères, mais également Balzac, Stendhal, etc. Je veux dire, je suis vraiment tombé dedans, dans la littérature.